J'aurais pu tourner en rond aussi. Ah putain, mais on va pas se taper un boss à chaque fois quand même. Ah par contre, il y a une régène. On dirait le donjon de fin du jeu, tu sais. Dites-moi que c'est pas le donjon de fin du jeu, s'il vous plaît. Je vais pleurer si c'est le donjon de fin du jeu. Tu pas là. Tu m'as pas vu. Et toi non plus. Je sais pas si je réussirai à l'éviter ou pas. Le poids intermédiaire. Ah, c'est notre pote. Réparer. Ce sera le dernier combat. Oh, ce serait super! Je suis pas d'accord. Moi, je l'aime bien, moi. Il me fait rire. Son Excellence ne laisse vivre que ceux qui sont utiles. Les inutiles doivent mourir. Oh, il est trop méchant. Back à L Live. On est dans la merde. Alors c'est son dernier combat. Si nous réussissons à le vaincre, il ne sera pas réparé. Et face à la mort, sa détermination sera décuplée. Rien à voir avec la dernière fois. Comme la nôtre. La vie de Clouquet dépend de nous. Bah, je veux pas être méchant, mais déjà séparé, c'était chiant, mais alors à 5. En plus, il commence quoi. Élément moins. Ça va, vous me dites hein, quand vous avez fini. Sinon, je repasse après le combat. J'ai trouvé un peu abusé quand même. Ah.
112, 111. Normal. Bon bah là c'est fini. Putain, il plaisante pas à ce niveau. Je sais pas si j'ai pas fait une connerie en sauvegardant. Et c'est ici que se finit la partie de Bacchael sur Blue Dragon. Mettre l'ombre de la magie noire. Go Pokémon, go, si seulement. On a pas Magie Noire 2, ça. Ça. Et on va mettre Clouquet à l'arrière. Comme ça on est bien, non ? Non, c'est pas Pokémon, Archum. C'est Blue Dragon. C'est presque pareil, mais pas pareil du tout. D'abord, nous t'avons détruit. Je suis une. Bon, on est déjà mort contre lui une fois, donc il faut qu'on fasse mieux. Boss final ? Non, on n'est pas au boss final, c'est ça le pire. Respecte un peu Pokémon. Je suis un rebelle, moi je respecte rien. Putain, mais comment tu veux vaincre un truc pareil ? Il m'a déjà tué un mec, quoi. On a même pas commencé à attaquer, il y a déjà un mort quoi. My heart's running on my home.
fait comme dans Fairy Tail, le pouvoir de l'amitié. Je suis pas sûr que ça marche, c'est pas tout à fait le même genre de jeu. Vomi. Putain, un jeu de combat Fairy Tail, ça me plairait par contre. Merci connard. Le pouvoir de l'amitié, ce qui m'a fait détester Fairy Tail. Enfin, c'est pas vraiment le pouvoir de l'amitié dans Fairy Tail, hein. C'est plutôt le pouvoir de la guilde, en fait, hein. Même si je suis d'accord, ça se ressemble beaucoup. Putain, j'en fais pas assez. Comment on soigne le silence ? Paralysie, puanteur, caloclin, sommeil, panique, étourdissement, c'est ça. Hein. Putain, c'est même pas ça, quoi. Techniquement, ça me dérange pas que vous trolliez le... Fairy Tail, hein, mais faut être honnête. Ah bah, comme ça on a plus de problèmes. Mauvaise foi, à ce point-là, c'est pas vraiment le pouvoir de l'amitié qu'elle utilise. Elle utilise en fait sa colère interne pour le fait qu'ils ont tapé sur ses collègues. Après, si vous voulez appeler ça le pouvoir de l'amitié parce que ça vous fait sourire, pas de souci, mais c'est pas vraiment ça, quoi. Thank you.
Ah mais attendez. On te retire tout essence. Non mais attends, parlons de Saint Seiya alors. Franchement. C'est bon, on est mort. On est mort. Je vois pas comment on peut gagner ce combat en fait. On peut pas faire du level up, on est sur un timer là. On est sur un timer, on peut pas faire de level up. C'est un classique, le pouvoir de l'amitié. Tu te relèves pour aider tes camarades. Moi je reviendrai d'entre les morts pour aider BPM. Du coup il y a une chanson que j'aime beaucoup de Bitflo et Oli pour un pote. Si vous la connaissez pas, je vous conseille d'aller sur YouTube. Je pourrais sortir le katana. Tiens, ça va. Vous voyez, j'ai un timer en fait en haut à gauche. Et du coup, je peux pas trop me permettre de glandouiller. Et le hanter pour toujours. Ah ouais, non, mais c'est pas cool ça par contre. Lucie perd de ça en ambulant. C'est vrai qu'ils l'ont, putain de souvent déshabillé, Lucie, quoi. Bah, si le timer tombe à zéro, Clouquet meurt. Donc je pense que, ouais, ça doit être game over. Erza, le problème c'est qu'elle est super forte, mais elle sert putain de à rien dans l'histoire en fait. Même je sais pas où vous en êtes donc je vais pas vous raconter, mais on apprend d'où elle vient, et même ça, ça sert à rien. Bunny Girl. Ouais, non, mais dans Fairy Tail, il y a des abus à certains niveaux. Moi, je veux pas défendre le truc parce que je suis d'accord sur certains points, il y a vraiment des abus. Il y a des personnages qui étaient super classe et qui servent à rien. Elfman, il sert à rien, alors que l'autre, là, sa sœur, elle est géniale. Mais sa sœur, elle veut pas se battre.
Non, je spoil pas, parce que moi j'en suis au dernier chapitre sorti, donc voilà. Et puis, il y a peut-être des gens qui finiront un jour par regarder et qui auront pas envie de connaître la fin de Fairy Tail. D'ailleurs, le manga va bientôt s'arrêter, oui. Le manga va bientôt s'arrêter. L'auteur a annoncé que la fin arrivait. Et c'est super dommage parce que Elfman, il avait l'air classe, quoi. Et au final, c'est un petit peu un pétard mouillé. Alors que son histoire à Elfman, la façon dont il... comment dire, c'est pas il progresse, mais la façon dont sa façon d'interagir avec les autres change, et elle est bien. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec la fille aux lunettes. Non, moi ce que j'ai pas compris, c'est la maladie de Lucius. Le truc, c'est genre 10 chapitres, quoi. Et je pense que je suis gentil. C'est un peu le problème, en fait. T'as plein de personnages, ils arrivent en mode badass. Et je vais tout dégommer, et au final, bah rien. Ah mais sa sœur, elle déchire tout. Surtout que sa transformation est vraiment géniale à sa sœur. Je sais pas ce que t'en penses, mais franchement, sa transformation est tellement mieux, quoi. Et Ruxantius, re-bienvenue sur le live. Franchement, je fais du leveling, mais il sert à rien. Hein. Je veux dire, je vais gagner deux niveaux, c'est pas ça qui va me sauver la vie contre les boss. Quoi. Et bah moi, j'ai pas abandonné, je continue Fairy Tail. Et franchement, on en est bientôt à la fin, donc ça va. Mais moi, j'étais déjà fan de Rave, en fait, la première série de l'auteur. Et j'ai été blessé. Tu voulais décrire blasé, peut-être, non? Après, moi, j'avoue que Dragon Ball Super, j'ai pas regardé encore. Ça va, je peux gérer à ce niveau-là la déception. Les katanas pour un pauvre. Du coup, si vous connaissez pas les rappeurs français Big Flo et Oli, ça faisait longtemps que j'avais pas aimé Broly en version femme. Oh putain, dis-moi qu'elle est mignonne. Le Rave Master, ouais. C'était Rave le nom du manga à l'origine. Mais en effet, il y avait le Rave Master. Aku. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas lu Rave. Il faudra que je m'en refasse un petit. Mec, tu n'es pas préparé. Et je sais que je suis pas préparé, tu veux que je fasse quoi? Tu vas voir l'arc Black Goku. Tu vas kiffer. Non mais Dragon Ball, ça a toujours été en demi-teinte, hein. Il y a toujours eu des passages super et des passages pourris.
comprends pas pourquoi je meurs. Il m'a enlevé 17 points de vie. Je devrais pouvoir gérer 17 points de vie quand même. Yandere. Et sur comment on se transforme en Super Saiyan. Bah normalement c'est une race déjà les Saiyans. Une bonne race de guerriers. Non mais mec là c'est... Je peux pas lire tes messages, je suis désolé hein, mais vu qu'il y a trop de spoil. Ils en ont plus rien à foutre. Désolé Archum si t'as été spoilé sur Dragon Ball Super. J'aurais dû l'arrêter moi. Non mais c'était à moi de t'arrêter, c'était... C'est au streamer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de spoil sur ses lives. Ah, t'en as dit un peu plus. Toujours est-il qu'on va arrêter de parler de ça, de toute façon ça va énerver tout le monde. Et que j'ai pas regardé la série. Quoique, vu le temps que j'ai en ce moment pour regarder des dessins animés... Tu connais Black Desert Online? Non, je ne connais pas. Vu le nom, j'imagine que c'est un jeu de guerre. Mais bon, j'ai tendance à toujours me tromper. Stop spam, c'est pas du spam, voyons. Là par contre je suis pas d'accord, c'est pas du spam. En plus j'arrive à tous vous lire pour l'instant, ça va. Résistance plus plus. Si on pose un résistance plus plus en début de combat. Le truc c'est qu'on peut pas le poser quoi. Et voilà, y'a plus personne qui parle du coup. Non, c'est un MMORPG. D'accord. Très connu en ce moment. Écoute, je te propose de m'envoyer un message privé. Parce que je vais oublier sinon. Tu tapes slash MP BKL et tu marques Black Desert Online s'il te plaît. Comme ça je regarderai après le live. Si on fait une petite soirée d'essai ou... pour voir ce que ça donne quoi. C'est joué par Lyric. Lyric ça doit être un streamer. Par contre du coup comme je connais pas la moitié des streamers. Même les plus connus. Je connais Jojo Bizarre Adventure. Ouais. J'ai pas vu la dernière saga par contre. Je suis un peu à la rue dans mes mangas et mes animes.
Alors autant les mangas j'arrive encore à tenir parce que je peux les lire dans le bus et tout. J'avoue que sur l'anime je suis un petit peu en retard. Surtout. Ah non mais attends, le plus regardé des streamers en ce moment c'est la chaîne de Squeezie donc. Les dragons de ce jeu me font penser à leur... Nous t'avons détruit. Ouais, les stands. Ouais. Mon corps avait juste besoin d'être réparé. On va réessayer mais j'y crois moyen quand même. Enfin, c'est pas Squeezie, c'est comment il s'appelle Putain, c'est Squeezie et son pote là, je sais plus comment il s'appelle. Ils ont fait une chaîne sur Twitch. Normal, non, Narmol, c'est eux qui dit ça là. Putain, comment il s'appelle? Ah, vas-y, je sens que t'as envie de parler de manga et en fait tu vas continuer à spoil et ça va. Je suis désolé, hein, je vais être obligé de t'arrêter à un moment. C'est le stream le nom, ouais. C'est ça, je crois. Je sais qu'ils ont fait un carton quand ils ont ouvert la chaîne. Je sais pas trop où ils en sont maintenant, mais... Non, c'est pas normal, c'est... Putain, il dit Narmol ou un truc comme ça à chaque fois sur ses... Je suis totalement à l'ouest. Ah non, on voulait foutre de la résistance. Ah voilà, c'est Cyprien. Quoi? Ah, vous inquiétez pas, je suis nul pour rappeler les noms. Hein. C'est de ma faute. C'est ça, ils ont une chaîne à deux, une chaîne Twitch. Ils ont totalement défoncé les stats, si je me rappelle bien ce que j'avais lu. Ah, ça me fait plaisir du coup que ça diminue bien ce qu'ils font. Après j'imagine que ça doit pas être en live. Yeah.
Non, parce que en fait, la seule raison pour laquelle leur live marche, c'est qu'ils sont connus sur YouTube. Et en fait, en live, ils ont rien fait du tout. Et ça me déprime un peu de voir que les mecs, avant de commencer à faire quoi que ce soit, ils ont déjà 50 000 vues. Après, c'est normal qu'une célébrité, entre guillemets, chope toutes les vues. C'est un peu dommage que ça se passe comme ça. Du coup, je suis mort. Fais de la merde, Bakel, tu seras heureux. Non, en plus, ça me rend pas vraiment jaloux, parce que je pense pas que je puisse gérer une communauté pareille. J'ai déjà du mal avec 10 personnes. J'essaye même pas d'imaginer avec 500. Comment tu vas faire quand tu seras connu? Mais je serai jamais connu, les gars. Je suis un tout petit streamer, je compte pas être connu plus que ça. Vraiment. Puis d'ici là, vous serez modo et vous ferez le travail pour moi. Du coup, je sais pas trop comment faire là. Le live va s'arrêter, c'est sûr, mais on est un petit peu dans la merde dans Blue Dragon là. Pour être modo, il faut qu'on s'abonne à toi. Non, non, pour être modo, il faut du temps et il faut une nécessité. Surtout pour l'instant, j'ai pas besoin de modo. Il y a 3 personnes sur le live. S'il faut, je kick moi. Pour qu'il y ait des modos, il faut une nécessité. De plus, j'ai déjà assez de modos comme ça pour l'instant. Après, modo, c'est. Ouais, c'est la durée. C'est pas du tout les abonnements. Il doit y avoir un truc. Non, il n'y a pas de truc. Vraiment, pour le coup, je tiens vraiment à le dire. C'est vraiment pas une question d'abonnement ou quoi que ce soit. Après, modérateur, faut pas rêver. Hein, ça offre aucun pouvoir. Hein. Je veux dire, le plus que vous pouvez faire, c'est kicker quelqu'un qui vous énerve. Et si vous kickez des gens sans raison, vous serez plus modo. Donc, au final, le pouvoir de modérateur ne sert pas à grand chose. Attends, la musique vient du jeu? Ouais, la musique vient du jeu. This is the beginning. C'est ça, modo pour 3 personnes, c'est... Puis très franchement, pour l'instant, à part le cas de 2-3 personnes que j'ai dû kick parce que ça allait trop loin, j'ai jamais eu... Y a pas assez de personnes pour... Par contre, ça me fait chier en fait, parce que je suis bloqué. Hier, j'ai hésité à prendre mon reroll et à te tuer quand tu XP avec ton voleur. Et tu peux pas me tuer Xanthus en fait, je suis pas sur un serveur PVP.
C'était des mecs qui étaient arrivés, ils ont commencé à insulter tout le monde. Ça arrive de temps en temps en fait, il y a des gens qui s'amusent comme ça. Non, Ijal, c'est pas un serveur PVP, c'est un serveur standard. Hein. Et le live va s'arrêter ici pour ce soir. Et on va peut-être arrêter Blue Dragon ici aussi si on n'arrive pas à tuer le prochain boss. Ah, il doit avoir une méthode, c'est pas possible, on peut pas arriver jusqu'ici sans rien. Ouais, il y a forcément un truc, hein, mais faut juste trouver laquelle. Quoi. Tu ne m'écoutes jamais. Mais si, je t'écoute, mais il faut me trouver le truc. Me dire, il y a un truc, c'est bien, mais si je le trouve pas, il sert à rien. Je t'écoute jamais. C'est une frage de rageux, ça. Je suis désolé. Je suis un gamin. Hein. Moi, vous me dites, il y a un truc, je vous crois sur parole, mais... Cœur de gardien. Cœur de moine. Non mais il y a forcément un moyen, par contre il faut trouver lequel et pour l'instant je l'ai pas. On essaiera de le trouver demain soir. Je vous souhaite une bonne soirée les amis, c'était Bacchael Live et on a échec sur échec. Et bon, faut faire avec. Ça sera le premier mur qu'on rencontre hein, quand même. Du coup est-ce qu'on peut pexer en arrière aussi? On peut pas retourner en arrière. Pourquoi t'es pas allé sur un serveur PVP? Parce que j'ai fait un personnage sur un serveur PVP et que pour Pex c'est juste la merde quoi. Y a des mecs qui passent des heures à chercher des petits levels pour les tuer. Y a aucune récompense à faire ça, mais ils aiment bien. Du coup, moi ça m'excitait pas beaucoup quoi.